Hey, salut tout le monde, ça c'est les Pons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Bon, comme chaque début de saison, je vais vous présenter les skins et l'achat bien sûr de passes de combat. Allez, c'est parti. Donc là, je choisis toujours celui à 950 V-Bucks. Confirmé, non, pas 2800, non. 950, ça me suffit largement. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette saison 7. On m'a dit qu'il y a des aliens en face. J'avoue que j'ai pas fait attention à cette nouvelle mise à jour, hein. Je me suis même pas posé de questions de ce qu'il y a là. Il y a plusieurs gens qui me disent ouais, il y a des aliens et tout ça, mais du coup je suis pas parti chercher les infos. Je préfère découvrir moi-même et avec vous ensemble. Étoile de combat x5, ressources de saison 7 servent acheter de récompenses du pass de combat. Ok, deux objets. Nouveauté de la saison, les étoiles de combat gagnent 5 étoiles de combat chaque fois que vous montez en niveau. Dépenser des étoiles de combat pour obtenir les récompenses du pass de combat dans l'ordre de votre choix. Ah, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de paramétrages à bien lire. Nouveauté de la saison, la relique extraterrestre. Ok, bon, nous sommes dans l'extraterrestre, hein, vous avez bien lu. Obtenez des reliques extraterrestres sur l'île ou dans des coffres cosmiques. Dépenser des reliques extraterrestres pour obtenir des styles pour la tenue personnalisable des rats. Ok. Oh, bon, allez, j'en ai marre de lire. C'est parti. Du coup, oh oui, il y a beaucoup de changements là. Je suis complètement perdu. Est-ce que c'est de la boutique, poste de combat, niveau de saison? Ok. Bientôt, Superman. Et quête spéciale Superman. Ah, ce sera des skins gratuits, ça? Ou alors, je sais pas. Ah, oui, peut-être c'est de la compète. Passe de combat, récompense. C'est bon. Ah, ok. Bon, maintenant, c'est. Mis dans un dossier, on va dire. Par exemple, s'il y a un personnage, ben, tout ce qui lui appartient, avec les défis qui va avec, ben, ils ont mis dans un seul dossier d'après ce que je vois. Et après, bah ouais, hop, oh, il y a tout ça à débloquer. Waouh, vraiment génialissime. Donc du coup on peut complètement personnaliser les skins. Ouais, donc ouais, c'est bien ça. Donc côté, c'est bien, on retourne pour les joueurs console, c'est nouveau, mais pour les joueurs PC, c'est pas nouveau quoi, on va dire. Tout ce qui est skin personnalisable, ça on connaît déjà sur PC, hein. Là c'est nouveau, hein, sur PlayStation. En tout cas pour moi, c'est la première fois que je vois des skins personnalisables. Après, enfin si, ça existe déjà, mais sur d'autres jeux, mais c'est pas pareil quoi, c'est pas complètement personnalisable comme c'est là. Ah, où est-ce que je suis parti? Je suis parti trop loin. Donc passe de combat, ici il y a le bonus. Ok, bon, je vais pas compter le personnage. Bon, il y a tout ça. Il y a quoi d'autre? Donc il y aura qu'un seul alien et il faut tout que lui débloquer. Non, c'est pas possible. Allez là, pas que lui. Ah, il y en a d'autres, ouf. Donc il faut appuyer la flèche d'en bas. Il faut appuyer la flèche d'en bas et descendre. Ouais, ils sont. Comme je disais tout à l'heure, tout au bout de la vidéo, ben, ils sont tous classés dans un dossier. Voilà, un dossier 50, par exemple, nous sommes dans le niveau 50, page 6. Ben voilà, on a tout, on a le skin plus tout ce qui lui appartient, quoi. Comme dans le sac à dos. Mais c'est plutôt bien parce que c'est vrai que ça. Au début, on est complètement perdu, mais avec le temps, on s'habitue. Ouais, là, c'est bien. Ouais, c'est bien pour chaque niveau. On sait ce qu'il y a dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a débloqué, qu'est-ce qu'on n'a pas débloqué. Donc, on va compter. Normalement, c'est jusqu'à page 10. Hein, si,
Voilà, je ne me suis pas trompé jusqu'à page 10. Ah, Rick Chantel, le dessin animé du Docteur Fou. Ah, bah oui, ça vient de lui tout ça. Ok. Bon, c'est bien, franchement. Donc, il y a toujours des skins qui nous plaît très bien. Moi, personnellement, en tant que skin tryharder, j'y ai toujours un skin qui. De toute façon, tous les skins me plaisent. Franchement, même si ça nous plaît pas, c'est quand même le bienvenu dans notre collection. Mais il y a des skins quand même, laisse tomber. Ok. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette saison 7? Ça m'intéresse beaucoup votre commentaire. En tout cas, vos opinions, ça m'intéresse énormément. Est-ce que ça vous plaît comme ça, classé dans le dossier ou de méthode d'avant? C'est vrai que chaque saison, ils essayent de mettre des nouveautés. Hein, c'est du big game, hein, c'est pas de nouveau. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui nous impressionne. Pour chaque saison, même si on se lasse, et chaque saison, on revient, on est toujours aussi content que saison précédente. Bon, je vais l'arrêter là, mes amis. J'espère en tout cas que de toute façon, j'ai pas d'autre chose à montrer, hein, à part ça. Donc après, faut tryharder pendant plusieurs semaines. Et là, je sais pas jusqu'à quand, saison 7, jusqu'à 12 octobre, je crois. Parce que je vois pas ma télé là. Ah, c'est jusqu'au 12 septembre. Donc il y a largement le temps de faire pour finir. Hein. Même pour les joueurs occasionnels, il y a largement de temps pour finir au moins jusqu'au niveau 100, quoi. Donc je vais vous laisser vraiment là. En tout cas, le pouce bleu vers le haut, n'oubliez pas, c'est très très important et c'est gratuit. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit aussi. Et n'oublie pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Et puis, pour se retrouver tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!